mesdemoiselles et messieurs, très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro après quelques jours d'absence. Beaucoup de gens se sont inquiétés, mais croyant que si il m'a été arrivé quelque chose, non. Je suis toujours là, comme je vous avais annoncé, il y a un programme, il y a un truc que nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine. Et ça nous demande beaucoup d'efforts, ça nous demande notre temps. Et souvent, nous n'avons plus ce temps-là d'enregistrer nos émissions tous les jours. Parce que ce que nous sommes en train de préparer peut-être prendre la place de Contact Pro Live, donc des émissions sur enregistrées en studio. Peut-être il y a encore des choses dont je ne veux pas divulguer ici, mais c'est un programme que nous sommes en train de préparer avec beaucoup de délicatesse et nous pensons que ça va vraiment révolutionner encore Contact Pro Live. Toujours dans cette histoire d'invention, de création plutôt, donc nous vous préparons quelque chose de très bien où vous allez vous retrouver. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, mais nous sommes là, je suis très ravi de tous les coups de fil que je reçois. Vous allez remarquer que je ne suis pas sur WhatsApp. Vous allez remarquer que j'étais un peu absent sur Facebook aussi. Tout ça justement pour préparer ce que nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine. Excusez de me répéter là-bas. Donc, j'étais absent. Et donc, ceux qui me suivent aujourd'hui, encore, je suis encore absent sur Facebook et sur WhatsApp. Mais les gens m'atteignent par téléphone. Vous pouvez m'atteindre, vous pouvez m'envoyer des SMS ou des emails. Je reçois. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, mesdames, demoiselles et messieurs? La situation qui se passe en République démocratique du Congo laisse à désirer. Nous vous avions dit qu'il y a des choses qui devraient se faire en principe. Notre pays, nous pensons que le Congolais ne comprend pas dans quelle phase où nous sommes. Il y a des gens qui sont des staticos, qui continuent à faire ce que nous faisions dans le temps. Or, le moment a déjà changé. Nous allons parler de blocage. Nous allons parler l'appel au changement, finalement. Le temps lui-même est en train de nous définir que non, il est grand temps de changer les choses, il est grand temps d'entamer le changement. Deux sujets qui vont donc expliciter ce que nous allons parler, et c'est de l'état de siège dont nous parlons, et puis le blocage à la CENI. Nous allons en parler, ces deux sujets-là, et vous montrer qu'il est grand temps à ce que nous puissions passer à la vitesse supérieure, en fait, de rentrer dans une nouvelle ère où le changement doit être effectif, où les Congolais moyens, où les Congolais de la rue doivent constater effectivement qu'il y a changement et que nous sommes en train d'aller dans une autre étape où le Congolais prendra conscience que toza lisusu na ntango ya Kabila te, toza lisusu na ntango ya ba Mobutu te, mais tokomi na Congo ya sika. Une nouvelle génération doit comprendre. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont le devoir de le comprendre et d'entamer ce changement-là. Donc nous allons parler de l'état de siège et puis nous allons parler de la CENI. Quoi faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'aller donc un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de nos deux sujets. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Beni, des morts et des disparus d'une nouvelle attaque ADF. Puis à Otuele, Christophe Bazaen et Nanga de retour à Isiro. On va sur actualité.cd. Puis nous, Denis Nyakeru a sensibilisé sur le programme Excellence. Et puis Denis Mukwege, docteur honoris causa de l'Université de Montpellier et citoyen d'honneur de cette ville française. On va sur Congo Profond.
Tchopo, 150 000 personnes sont en train d'être vaccinées contre la méningite. Le compte à rebours pour les universités Ligablo a commencé depuis Mouindo Zangi. On va sur 7 sur 7. Martin Fayoulou annonce une nouvelle marche le 16 octobre. Depuis Kassai, l'Assemblée provinciale autorise l'exécutif à engager une firme Émirats Arabes Unis pour la construction des infrastructures. On va terminer par Radio Okapi, Bounia. Un hélicoptère phare d'essai termine sa course dans un champ de manioc. Bujimaï, la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël dispose désormais d'un bloc opératoire d'une salle d'hospitalisation. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous sommes, parlons-en un peu du blocage qui se trouve à la CENI pour l'instant. Ça signifie quoi? Et là, on a besoin de comprendre le blocage où est la CENI. Qu'est-ce qui se passe? Pour la CENI, donc les confessions religieuses ne parviennent pas à trouver un compromis afin que Bakouzoua président ya CENI pour organiser l'élection l'année prochaine. Bandeko, nous sommes en 2021. Tozana nous en 2021. Bien sûr que Tozana presque devant nous, il ne reste que 3 mois pour que 2021 ou ici là. Nous aurons mandat au ESA mandat à 5 ans. Tout côté à la caga, je crois, dans 2 ans. Au Etikalina, donc nous sommes en 2022, donc Etikalina, 2 ans pour la top Kenena élection. Je vous ai posé la question, mes chers amis. Bah, élection au Otobanda en 2006, échangea Niniango na Congo. Rien n'a pratiquement changé. Les gens sont en train de se battre pour arriver au pouvoir. Ce côté là peut battre na obaza komi beta tolo que non biso to lingi to sala bo biso ndeto ko sala bo ondo biso ndeto to za ko ya na changement biso ça n'arrive toujours pas. Pourquoi est-ce qu'on m'a caté malgré que ba élection na o komona ba élection na za ko kende za ko za la biase et que ça ba élection susu donc ça bantu baza ko yo kanate biso to za awa na étranger. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Bandeko, en Afrique du Sud, awa, je crois que dans quelques jours, à Bokoyoka, bakena ba élection municipale. Et tout le monde est d'accord que nos élections municipales ezo salema. Babandiko lobelangoka, il n'y a pas 2 ans. Eza ba cycle régulier et ya kanango, donc eye bani. Mais campagne, et bandeki kakate tango batuo ba msusu bakota ki non. Comme chez nous, ça se fait que... Donc, avant même que tu aies une échéance, tu as écouté, tu as pensé qu'il y a une élection. Pourquoi? Parce que, en Gouma, il y a des gens qui ont l'ingé contre la politique. Pourquoi la politique? Parce que c'est là où se trouve l'argent. Bon, vous avez alors, vous avez dit que ça a été fait, vous avez dit que ça a été fait, vous avez dit que ça Batu ebele ba politiciens de bazan batu ambongo ba politiciens de bazwakami tuka ba politiciens, ce sont les gens qui sont bien dans notre pays, les politiciens. Or ce sont les fonctions régaliennes ya batu, donc pour na ko servir batu. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Donc les élections servent à ce que batu msusu baya kokota na bokonzi. Or donc situation change à kate, la situation reste la même, les gens se battent pour venir au pouvoir base Bali a pe tourna bangwe comme Baliaka. C'est ça que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Ce qui va tout ça koloba que non, élection et ça amélioration à situation à congolais té. Les gens ne s'occupent pas de l'amélioration à situation à congolais. C'est pour cela que vous allez voir que même kozala dur na tiseke du celui qui est là. On l'embarque dans une histoire où il faut aller aux élections, il faut consolider votre pouvoir. Mais qu'est-ce que vous aviez fait? Programme ni n'yango au salaki au défendre na batolobité. Tant on a naiaki na kutaki par exemple dollar moko zalaki na 2500 soki combien kuna. Lelo voici les améliorations que j'ai amenées. Na sali ni n'yango pona
kobongisa vie ya bakongole. Est-ce que le Congo a changé na kati ya bokonzi na ngai? Kolela na milelo zo ko continuer mikolo nyonso. Bato nyonso tu baza kolela kaka. La situation ne change pas malgré que nous avons tozotia ba cycle électoraux. C'est ainsi que nous nous sommes dit eloko moko ko changer te. Par contre, pour consolider le pouvoir, nous allons encore aller en Afrique. Donc, créer les sous-sous, malheur à les Congolais. Pour nanini, pour organiser tricherie. Ces élections-là, ce sont des tricheries qui sont organisées. Balouba, comment est-ce que vous avez tourné, il faut tout ça là, à 100 ans. Mais quel est le programme que vous mettez en place aux Congolais, aux ok. Bino, ce qui bino beaucoup dirigé, mais quand même, Congo na biso et bimisamutu bandeko. Ça c'est ça le grand problème que nous vivons. Et loko moko yangwana parce que élections vont servir na loko moko te. Ça ne sert plus à rien. Et zaka que loko moko kaka tokoti sa kabatu msusu na kati ya système wana. Donc ça devient normal. Et comme il y a des gens qui ont été en élection, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Tant que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Et rien ne marche, rien. Le pays continue toujours à s'embourber, ils ont été en train de se faire. Et là, il y a des solutions. Maintenant, la question que nous posons, quoi faire maintenant? Toyebi que no ba mupe ba ko bazo baza koyokana te pour na kotia président. Est-ce que président Tshisekedi voulant maintenir son donc a rassuré nani na ye et les réélections na ye sans résultat, il faut attricher. C'est pour cela que vous aviez vu au lieu d'entamer les réformes dont il a parlé, c'est de placer ses pions na ba place o ayeba ki que no Kabila bande comme malmené biso. Cour constitutionnelle, avoir le Sénat, avoir l'Assemblée nationale, batunyo soit ba pion anande a place qui pona ba supporter bokonzi nae. Ce n'était pas pour que amélioration ya condition à congolais ou amélioration ya ba activité économique ou quoi que ce soit. Non, Tshisekedi en arrivant au pouvoir a voulu à ce que lui aussi azala sikoyo akota ndenge azala ndenge Kabila zalaki. C'est comme ça que nous disons que Azako rassurer kak Azako assurer continuité il y a malheur à ba congolais. Au lieu à quoi assurer que non tokota na ndenge a changement té elo comment ko ezalité. Quel est le changement que le congolais attend aujourd'hui? Toza ko lobelango soki to sibi si état de siège oyo. Donc likambo oyo ya ko sala ka ba élection et comme na ngo normal sans changement ya système il o est en place. Mutunyo soit comme kaka kolinga akende azala voter akendo distribuer ba tricot ba voter et pe akota na mangeoire akende azwa ba palissade azwa mituka akota. C'est ça qui anime maintenant tous les Congolais. Congolais nyonso oyo aza coopera, il faut akota na politique pour a se retrouver. Les Congolais qui n'est pas dans la politique ne se retrouvent pas. Et là c'est le moyen facile. Attends les lots autonomie, union sacrée. Union sacrée, ils ont changé et l'eau comme mon côté sur le système qui existait avant Kabila. Sur, pendant Kabila. Système wana yangwane zakaka. Les gens continuent à pleurer, les gens continuent à mourir, les gens continuent à voler, le clientélisme zako continue. Boyo kanina ba congolais zalité. Unité nationale zalité. Le pays est en phase de balkanisation. La guerre a continué, tous les mots que Kabila avait, il y a un prédécesseur, Naye Mobutu, tous ces mots-là sont en train de s'accentuer et ça a simplifié de plus en plus. La situation continue à être worse, comme on dit en anglais, à se dégrader de plus en plus. Au lieu que la situation s'améliore, la situation a continué à s'empirer. Donc les élections, pour conclure cette partie, les élections n'ont pas leur place aujourd'hui. Et sa situation normale, tout ça la kaba élection en amen, et ça ko bongi sa pays te, ça ne profite pas au pays, ça profite aux quelques hommes qui entrent dans la politique congolaise. Bandeko,
Eza mawa. Eza mawa. Na est ya République démocratique du Congo. État de siège égale pire que avant état de siège. Il est pire. Lobi na beni yayi des morts et des disparus. Anituri yayi 6 morts. Na Irumu. État de siège comme état normal. Bande ko nambo kanini ngo tozali. Où sommes-nous? Toza wapi biso ba congolais to komi wapi? Oba député mususu balobaka toza wapi? Que faire maintenant? La solution ultime que le président Tshisekedi a tiaki kuna yangwana lobi to instaurer état de siège. Beaucoup de gens l'ont supporté. Batubele ba encourager ki ba lobi oui état de siège wana ne ekosilisa ba makambo ezali kuna. Nous avons constaté que rien ne marche dans cet état de siège là. État de siège za nini? Eza état moko ya urgence que non. Toti état de siège oyo potosilisa moi biloko moko a mabe o eza ko salema. C'est pour cela qu'on instaure cet état de siège. Malheureusement, état de siège wana ezala ki instauré sans préparation, sans connaître quoi que ce soit. Ezala ki kana munoko. Moi j'ai commencé à penser, est-ce que batu oh, président de la République, les gens qui l'entourent, qui l'ont favorisé à dire que nous ont déclaré état de siège, avaient-ils réfléchi comment va se faire cet état de siège là? Effectivité nango d'abord et yaki après 3 mois. Les militaires sont déployés, mais ils ne savent pas. Intelligence, c'est ça limité. Donc, comment que ça limité? Bah, tu verrais ça qu'on continue. Ils ne reconnaissent pas. Bah, eh bien, ennemi à Zawa Pité. Tosa Kolobano, Toko Beta Kaboe, Toko Kende Kaboe, Toko Salaboe. On nous montre, on nous chante des victoires, des récupérations à bah, village où on n'a jamais dit que nos bah, villages ont été occupés, n'a pas bah, ennemi, tout ça. Finalement, cet état de siège devient un état de siège normal et comme une situation normale à Bato Bazako vivre na Nord Kivu na nanani na côté ici okuna. Donc na Ituri. Bato wana nyonso tout donc cet état de siège devient de plus en plus normal. Pourquoi? Parce que tous les sous sont en contrôle na yango te. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cela que Nanani na sije nanga émission alelo, que faire après toutes ces solutions et après toutes ces solutions appliquées, il n'y a pas de changement. La cause de ça c'est quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de préparation. Congolais tokoki koyokana te olelo toza toza ça prouve même na katia première partie à émission oyo. Autant naza kolobela na bili kambwa seni. L'impréparation, la population congolaise n'est pas ensemble. Tokoki ko collaborer te, tokoki ko fana ensemble te tozo solution.
Et c'est là le danger que court notre pays, parce que le Congolais, Azalawa, Piazala, étranger, même dans la population, il est difficile de voir les Congolais se mettre ensemble pour trouver une solution constructive, je dis. Mais ce qui pour la Massano, pour tomber ta musique, pour ton kende, pour ça la va fête, tout ça la cannabis, mais eloko oya reconstruire mon cannabis, et ça la capacité pour ton consensus, pour ton yokana. Le Congolais n'est pas dans la construction. Pourquoi? Parce que nous avons été laissés chacun pour soi, Dieu pour tous. Les Congolais travaillent de soi-même parce qu'ils n'espèrent pas dans l'unité. Les Congolais, donc, ressources en moi, les Congolais n'espèrent pas dans l'unité. Il y a non, je peux m'associer avec mon ami, ou bien Congolais, de Konangai, ou bien Bantu, ou tous associés pour tout ça, là, et l'Okomoko, bien. Même dans les régions, nous sommes en train. Mon cannabis, c'est comme un grand prêtre. Les gens qui volent, et puis ils viennent pour vous dire qu'ils vont vous diriger. Assis à se retrouver, et puis vous autres, à Tikibino, vous devez vous retrouver. Le Congolais est solitaire. C'est ça le grand problème que nous courons aujourd'hui. Congolais est solitaire. Le Congolais ne sait pas travailler ensemble. Nous, ça nous fait remarquer dans tout ce que nous faisons. Yangwana Toza Koloba, Ekosimbate, parce que dans l'état de siège, on ekobongi sa situation. Pourquoi? Parce que les Congolais n'est pas ensemble. Le militaire avec la population, ils ne peuvent pas collaborer. Bah, collaborer, pourquoi? Parce que nous avons vite compris que tout dirigeant congolais est voleur. J'avais fait quelque chose comme j'appelais quelque chose comme ça, qu'on appelle survey, donc une enquête na Twitter. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez comme impression lorsque vous rencontrez un roulage congolais sur la route. Bandeko, nazalaki nazwaka 577, à peu près 580 réponses. Et 85, disons 95%, il y a batubaza koloba que non, ba policier, ba policier, ba roulage, bazaba miyibi. Ce sont des voleurs. Donc, à peu près 95%, il y a des Congolais qui répondent à la survey. Donc, quand il est devant un roulage, il voit déjà un voleur. Na écoutez, ami, il y a lobby. Ba oyo, tant que beaucoup tani na militaire congolais, ou à Zana Sokoto, ou à Lata. Il y a force, il y a phare, de ces Congolais. J'avais eu 1200 réponses. Et sur le 1200 réponses, 95% n'ont pas confiance. On dit que ce qu'on dit militaire congolais, on a d'abord un danger parce que vous ne savez pas si c'est le rebelle. Surtout parce que ça fait une enquête, on est là qui a dirigé à partir de la zone où ils ont déclaré l'état d'urgence. C'est ça que vous voyez, que les Congolais n'ont pas cette habitude de se mettre d'accord. Donc, collaboration entre la population congolaise, il y a Nord Kivu, Naituri, pour collaborer avec le FARDC, et ça presque impossible. Et ça mission impossible. Pour ça va tuer les Est. Alors, quoi faire? Dans la mission, on a vu ça, à Topesaka, toujours une solution. Tolobaka ke solution yango. Nous avons dit ceci. Bandeko. Pour trouver une solution, nous devons d'abord chercher cette cohésion nationale. Toko construire yango ndengeni. Comment est-ce que nous pouvons construire cette unité nationale qui nous permettra à ce que ba Congolais va partir sur une nouvelle base? Nous devons d'abord réécrire notre constitution. Écriture de la constitution, il ne faut pas aller à la Keba, tout va aller choisir les sous-sous. Comme ça se fait que les gens ont quitté le pays pour venir faire une constitution ici en Afrique du Sud. Ça ne pourra pas marcher. Attends, tout ça, il n'y a pas de sous-sous bien-té. Tu crois qu'on retombe dans le même histoire. Nous avions demandé à ce que le président de la République actuelle prenne courage. Qu'il prend courage à Kolobake, non, Bandeko, tozo kene na direction à Mabe. Nga na banzi ke pour que tobongi samboka oyo, refondons cet état-là. État nabiso, il faut to refondre en haut pour que to tia Congo yasika. To kofonde en ondengenini. C'est en reconstruisant les bases. C'est pour cela que j'ai donné le schéma.
Yakoloba, allons dans les conférences ou les états des lieux des territoires, les états des lieux des territoires qui nous produira une nouvelle classe politique. Yabatu, oh, ils sont moko toko toko notable yabatu parce que ces notables là sont connus. Et ça te que bato bazak choisite, c'est quand tu pars dans le secteur OK dans le Congo profond, tu trouveras les chefs de groupement, tu trouveras les chefs de secteur qui sont reconnus par la population locale. Bato wana nde faut qu'on mette ensemble na ba député au baza na ba parlement lelo ya il faut qu'on zongisa bango ba kende na ba conférence na ba état de lié à ba territoire place ba outi afin de réorganiser le pays pour na ko rétrocéder pouvoir na kati ya ba territoire wana koloba. Vous allez écrire encore votre histoire pour l'instant. Tout ça qu'on perdre temps ya ko kende ya ko meka kaka ko koloba kaka likambo ozala bien. Non, non, nous allons adopter cette histoire ya ba belge nenge batika kabiso sans que to pesa. Parce que le fond du problème c'est que le belge avait arraché le pouvoir à la base pour que tozala na unitarisme moko. En tout cas, dans la prochaine émission, je vais vous expliquer encore beaucoup plus. Mais retenez une chose. Ici, à Contact Pro Live, nous voulons à ce qu'il y ait des états des lieux de territoire qui s'occuperont justement de traiter les, comment ils vont diriger les territoires, comment les territoires seront dirigés et auront le pouvoir sur leurs terres. C'est pour cela que nous disons, nous faisons la promotion de l'article 10 de notre Constitution. L'article 10, on doit commencer par savoir qui est Congolais. Et ce n'est pas Kinshasa qui déterminera qui est Congolais sur les territoires dont il n'occupe pas. Ça sera les propres enfants de chaque territoire à se dire « Oyo, apa, ou yonjwa na kwa ka apa, oyo nde azalaka, awa to yebi mutuwa azalaka, awa yo azalaka, awa te, biso mokonde mututoko sa la identification ya population avant toutes choses. Parce que, eloko ane foye ou taranini, na ba état de lieu sera discuté dans les états de lieu de territoire. On s'arrête là pour aujourd'hui en vous laissant vraiment sur cette note là koloba. Ce qui ba état de lieu et qu'au salema et qu'au résoudre le problème, hein, je continuerai à vous expliquer ça très prochainement. Alors, avant de terminer, je vais encore faire un appel à tous, tout le monde, bande qu'on a zali kaka, je suis là. Continuez à vous abonner, continuez à partager ces émissions. Je suis là. C'est seulement que je suis en train de préparer un autre projet sur, au-dessus de Contact Pro Live qui va encore renforcer Contact Pro Live dans Ndenge Mokoa bien. En tout cas, beaucoup c'est là, en 2022, vers le mois de mars, avril, loin. Il y a un mois où c'est un gars qui est là, il est concentré pour que ce programme soit créé. Il y a beaucoup d'amis qui se sont associés sur cette histoire-là. En tout cas, il y a beaucoup d'amis qui sont là ensemble pour créer cette histoire-là. Nous osons croire que bien, que Dieu vraiment puisse nous prêter vie. Donc, c'est pour vous dire que n'abandonnez pas, continuez à partager, continuez à faire des likes si vous avez aimé. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Abonnement à Bino est vraiment très très important pour la survie à l'émission. Alors, merci beaucoup, j'espère que vous aviez compris. Avant que vous ne partiez, cliquez aussi sur la cloche pour que vous soyez avisé lorsque nous mettons de nouvelles émissions. Surtout que Mikolo Oyo Tozali Susu régulière, donc chaque jour, comme ça, là, deux ou trois fois par semaine. Donc, c'est pour cela il est très important qu'on clique sur la cloche pour que, tant qu'on a sorti l'émission, on sera déjà averti. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.